Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, en ce jour de joie, jour de fête, fête de Saint-Pierre et Paul, apôtres. Bonne fête à toutes les paroisses, paroisse Saint-Pierre, paroisse Saint-Paul, bonne fête à tous les Pierres, Pierrette, Pierrine, Paul, Paulette, Pauline, ainsi de suite. Bonne fête à toute l'Église, fils et filles du bon Dieu. D'abord, les textes liturgiques, Actes des Apôtres, le chapitre 12, les 11 premiers versets, comme première lecture, le psaume 33, puis la deuxième lecture de Timothée, le chapitre 4, versets 6 à 8, puis 17 à 18. L'évangile, c'est Saint Matthieu, le chapitre 16, versets 13 à 19, fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, c'est l'arrestation, non pas de l'arrestation et la délivrance de Pierre, fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur veille sur son Église. Rien ne pourra l'empêcher, celle-ci, de porter l'Évangile au monde. Pierre fait l'expérience de la force agissante de Dieu qui délivre ses témoins quand il lui plaît et comme il lui plaît, fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur va envoyer l'ange, son ange, pour aller libérer Pierre qui était détenu, fils et filles du bon Dieu. Et là où Pierre lui-même s'écria, maintenant je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. Fils et fille du bon Dieu, que le Seigneur puisse t'envoyer également un ange dans ta vie pour t'arracher aux mains des Hérodes qui veulent ta chute, des gens qui veulent que tu puisses complètement disparaître, les gens qui veulent que te persécutent, que le Seigneur puisse envoyer son ange, fils et fille du bon Dieu, comme il a fait pour Pierre. Le psaume 33, de toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Fils et filles du bon Dieu, reçois cette délivrance ce matin. Dans la deuxième lecture de Timothée, le chapitre 4, versets 6 à 8, puis 17 à 18, le temps de mon départ est arrivé. Au terme de sa vie, Paul ne pense qu'à remercier le Seigneur d'avoir fait de lui un témoin fidèle. Il le dit, c'est bien que j'ai tenu jusqu'au bout, fils et fille du bon Dieu. Dans la fidélité, je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur, fils et fille du bon Dieu. Sois fidèle jusqu'au bout pour recevoir cette récompense de la part du Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, donnera à chacun de nous cette grâce, cette récompense, fils et fille du bon Dieu. Même si tu te sens que tu es abandonné, mais le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Le Seigneur t'assiste toujours, fils et filles du bon Dieu. Dieu ne dort jamais. Et Saint Paul continue en disant que le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Fils et filles du bon Dieu, que cette parole soit appliquée dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire, à lui le bonheur, à lui la grâce, fils et filles du bon Dieu. À nous également, à travers cette récompense de ce que nous faisons dans le quotidien de notre vie, notre récompense, c'est d'abord aujourd'hui et demain, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu, le chapitre 16, versets 13 à 19. Tu es le Christ, tu es Pierre. C'est seulement par la foi, don du Père, que l'on reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Répondant à la profession de foi de Pierre, le Seigneur lui révèle sa mission, garder l'Église unie dans cette foi. Je prie ce matin pour le Saint-Père, le Pape François. Je prie pour tous les cardinaux. Je prie pour tous les évêques qui ont reçu cette succession apostolique de garder l'Église unie dans cette foi, fils et filles du bon Dieu. Le Christ aujourd'hui pose la question à ses disciples de savoir, pour savoir, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Quel est le constat sur Jésus-Christ? Les uns disaient que non, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je?
Et c'est de là où Pierre intervient, sous l'action de l'Esprit Saint, fils et fille du bon Dieu, parce que son cœur était tourné vers le Seigneur. Et de là, il reçoit cette grâce extraordinaire pour dire que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Jésus est bel et bien le Messie, le Fils de Dieu vivant, fils et fille du bon Dieu. Le Seigneur dit, heureux es-tu, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Fils et fille du bon Dieu, cette formule imagée est forte pour évoquer la faiblesse naturelle de l'homme laissé à ses propres forces, à ses seules forces, fils et fille du bon Dieu. Oui, la foi vient d'ailleurs. L'homme tout entier, chair et sang, est incapable d'accéder au domaine mystérieux de Dieu. C'est mon Père qui t'a révélé cela, dit le Seigneur. Eh bien moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, Jésus veut bâtir son église sur du rocher, sur Kepha. C'est un mot araméen qui signifie rocher. Il fut traduit en grec par Petros, puis en latin par Petrus, et en français par Pierre. Pierre, je bâtirai mon église. Ce nom de rocher n'était utilisé par personne comme nom propre à cette époque-là, ni dans le monde juif, ni dans le monde gréco-romain. C'est une idée de Jésus-Christ lui-même. Pour un sémite, le nom est une extrême importance au fils et fille du bon Dieu, comme ici en Afrique. Le nom révèle même le caractère de la personne, fils et fille du bon Dieu. Le nom a une extrême importance. Oui, c'est comme un talisman, un symbole, une définition de la personne. Fils et fille du bon Dieu. Le Christ dit, je bâtirai mon église. Kahal est un mot araméen qui signifie assemblée. Il fut traduit en grec par ecclesia, qui conservait tel quel en latin son traduction ecclesia. Et notre mot français église en dérive directement. Ce que Jésus veut. Bâtir, c'est donc une communauté, sa communauté, des hommes et des femmes qui ont quelque chose en commun, fils et filles du bon Dieu, et qui se rassemblent. Lorsque tu te rassembles à l'église, tu viens à l'église de dimanche, même tous les jours de matin, mais tu es convoqué par le Seigneur lui-même qui veut que nous puissions être en communauté, fils et filles du bon Dieu. Oui, sa communauté, et quelque chose de commun, et qui se rassemble. Pour le fêter, pour le vivre. Oui, fils et filles du bon Dieu, le dernier concile a défini l'Église comme le peuple de Dieu, famille de Dieu. Pierre reçoit un rôle de responsabilité dans ce peuple, fils et filles du bon Dieu. Puis le Seigneur continue en disant à Pierre que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Fils et fille du bon Dieu. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux. C'est le Seigneur lui-même qui fonde même le sacrement de la pénitence dans cet évangile. Matthieu 16, verset 13 à 19. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux, nous dit le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui, Pierre. Ce nom révèle la mission que Jésus confie à Simon, fils de Jean, un des premiers disciples qu'il est appelé à le suivre. En lui donnant ce nouveau nom, Jésus invite le pêcheur de Galilée à devenir le rocher sur lequel sera fondée son église. Oui, pour répondre à sa mission, l'apôtre, dont la foi est ardente, devra apprendre du Seigneur l'humilité et l'amour qui feront de lui le symbole vivant de l'unique pasteur. Oui. Oui, plus tard, dans le dialogue avec le ressuscité, Pierre apprendra comment devenir le modèle de ceux qui ont à exercer l'autorité dans l'Église. Le chef de l'Église doit l'unifier, non en le dominant, mais en la servant avec un amour dont Jésus soit à la fois l'objet et le modèle, le fils et fille du bon Dieu. Paul, quant à lui, Paul de Tarse, juif, zélé, n'a pas connu Jésus durant sa vie terrestre. Et il a refusé de reconnaître le Messie en ce Jésus crucifié. Or, celui-ci se révèle à Paul comme vivant dans la gloire de Dieu unique et vivant aussi dans le cœur des hommes qui croient en lui et que Paul persécute. Oui, de ce persécuteur, Paul
Jésus fait le témoin, enfin le témoin de sa résurrection, un apôtre à l'égal des 12. Dès lors, Paul devient le type du missionnaire auprès des païens, fils et fille du bon Dieu. Si Pierre, au centre de l'Église, assure son unité, Paul est toujours à la frontière, instrument de l'Esprit qui veut rendre l'Église universelle. On voit comment Pierre et Paul se complètent et pourquoi ils sont unis dans le culte de l'Église après avoir subi l'un et l'autre le martyr à Rome où Pierre fut crucifié vers 64 et Paul décapité vers 67. Fils et fille du bon Dieu, en ce jour de joie, jour de fête, nous sommes aux prières pour tous ceux qui vont être ordonnés en ce jour, ici dans l'archidiocèse de Libreville, également dans le diocèse d'Oyem. Que le nom de Dieu soit béni. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, mais c'est au Gabon. Sainte-Journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipe, yayo, et tokos, de fête en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.